J'ai ça, je pense. J'ai ça. Vous savez que Yoyis, j'ai essayé moi de lui expliquer, hein. Je lui ai expliqué, Yoyis. Je lui ai dit, Yoyis, on sait que toi tu fais du colis avec plusieurs Eni dans un 199, avec comme seul but de vendre tes Kamas, ce qui est extrêmement con. En fait, t'es un débile, mais sur plusieurs plans. D'abord, le fait de jouer résistance, parce que tu te prives d'un chiffre d'affaires énorme, colossal. Étant donné que tes 100 colis, tu les fais en beaucoup plus de temps qu'un Eni qui va jouer Full Rox. Donc déjà, t'es une merde là-dessus. Et en plus, t'es une merde parce qu'il y a des activités sur le jeu qui te feraient gagner beaucoup plus d'argent pour toi payer ton loyer. Yoyis, voilà la vérité. T'es une merde. Mais je vais expliquer avec, avec un discours lisse, voyez. Mais rien à faire. Je lui envoie le site usenet.fr. Augmente de 20%, je lui ai dit. On aurait dit une pub sur un site bizarre. Augmente de 20% ton chiffre d'affaires en cliquant sur ce lien. Le mec, je lui ai tout donné. Il a toutes les clés en main pour réussir. Et pour augmenter son chiffre d'affaires, il peut se payer un T6, ce connard, s'il m'écoute. Mais là, il se contente de vivre dans une cave parce que il vend ses kamas en faisant une technique qui n'est pas durable, en jouant résistance 199. Yoyis, c'était qu'une merde. Et on sait à quel point je suis franc, et quand je dis quelque chose, c'est la vérité. Il y a pas, je lisse pas les angles. Bon, je disais, on va tenter de jouer. Ça fait plusieurs fois que je tente le mode Pelgza. J'espère tomber contre un farmer à chaque fois qu'il me rush T1. Oh! Ça va peut-être avoir lieu. Je vais dire 20% R. 12. Ok. Je savais plus. C'était 12 ou 20. Un chiffre pair. Salut Bullish! Oh, Loman! Merci pour le sub, Loman! Alors c'est extrêmement bizarre ce qu'il fait parce qu'il n'a pas rushé avec son chaton et il ne profite pas des dégâts qu'il aurait pu mettre. Roulette soin. On va tenter un truc là. Attention, tout le monde regarde. Tac, on n'a pas la maîtrise. Cac-cac. Et non, on l'aura pas en fait. Ce qu'il aurait fallu faire pour le kill, c'est ne pas avoir accès, tout simplement. Ça, c'est ma méta. Ça, c'est ma méta. Est-ce que derrière, il me clean? Non. Il aurait fallu qu'il chope deux tromperies. Ah, quoique! Yes, aïe! Bien joué, explosion. Ah, bon, je vais switch. Hein. Je parle pas des switch clavier. Là, je vais vraiment switch. Tous les mecs... Tous les mecs que je me tape, sans exception, ont des prix tech. C'est insupportable. Mais vous savez, moi je pense qu'il faut pas juste être mauvais. Il y en a qui disent, ouais, faut vraiment être con, mauvais, pour avoir mis une prix tech sur le jeu et la laisser. C'est pas que ça, hein. Je suis convaincu qu'il faut en plus de ça détester le jeu pour... Laisser ses joueurs l'équiper et avoir des combats qui démarrent avec 3 tours de retard. Soyez pas stupide, enfin. C'est pas une question de compétence, c'est une question de politique, là. Regardez ça. Putain, mais comment? Comment tu peux te dire? Normal. Bref. La pre-tech fait partie du jeu. La méta farm n'existe plus. Faut juste prendre les bons persos au bon moment. À quand une interview IRL d'un 200, 3400 de côte? Ah, peut-être qu'on peut avoir une interview, hein. Ce serait bien, c'est vrai, d'avoir une confrontation avec des mecs qui sont pro-pre-tech.
Ils pourraient nous expliquer leur point de vue. Ah, c'est un Féca retrait qui vient. Au fait, il a claqué son Gravita pour rien, en fait, c'est ça? Ok. Ah, la Pritech a tellement rendu ses joueurs intelligents. C'est un truc de fou, hein. Mais on s'en rend pas compte. Au premier abord, vraiment, on s'en rend pas compte. Voilà. C'est un truc de fou. Le niveau. 50% terre. 11 PA, 5 PM, mais 50% terre. Mais c'est quoi ce jeu? C'est quoi? Pourquoi le jeu veut mettre face au plus gros casu de l'univers? Plus large, je vais défoncer, tu peux y arriver. Ouais, bien sûr, c'est une question de spotter son envie, quoi. Zika Dobai. T'es un influenceur? Vous avez la ref ou pas? Dobai. Viens, on fait une event, touf, ça peut te détendre. Ok, Libza, j'avoue. T'as beaucoup de touf? Est-ce qu'il y en a qui sont chauds dans la commune pour faire une event touf? J'ai un concept de dingue d'ailleurs à vous communiquer. Il déclenche un piège sournois, ok. J'en ai 300, t'as 300 touffes. J'explique le concept après mon colis. Hein. Je pense qu'il y en a qui vont être choqués. Je l'ai pas trouvé, mais je mérite. Bah, je me suis pas concentré à s'il y avait déclenché des pièges. J'ai vu qu'il y avait déclenché un sournoi, juste. Bref. Merci, Brack, pour le prime. Attendez, mais pour moi, c'est un problème, là. Comment il peut avoir... Ah, mais il est haut. Il est haut avec une... Une Amu Sinistre Fou Mal FM. Bizarre. C'est pour ça qu'il a 50% terre. Ça ne va pas m'empêcher le stalk. Point d'exclamation stalk dans le chat. Allez, va te faire foutre. Je l'ai hé. Je peux pas voir son stuff, il vient de se stuffer. Je lag. Ok. Il est midlife. On progresse. Ferme pas l'attention. Bah j'essaye, Sidox.
Mais si j'ai pas des SRAM, c'est les mecs en pre-tech qui me torchent. Comment je fais? Eh, 2100 HP, je suis en putsch, hein. 10% res. Il a peut-être pas la portée pour m'atteindre avec sa cruauté. C'est un bon indicateur, ça. En vrai. Ok. Et reviens toi. 1300 HP. Pourquoi j'ai 3 invoques sur ce mode? Ah oui, créa mention. Voilà, je suis vraiment en mode full terre. Je suis avec un stuff en 1100 de stats de base, sachant que j'ai de la puissance forcément parce que là je me suis H d'or, pardon. Mais c'est les dos qui nous intéressent. 39 plus 170. 209 dos plus tacheté. Impressionnant, hein. Attends, il n'y a pas la portée. Ah ouais. Je vous disais que c'était un bon indicateur de savoir vite fait ses limites en termes de PO. PO moins 700 sur 50% res. Oh, moi, c'est quelque chose de banal. C'est un truc banal. We'll be right back.